C'était quoi? Mais non, je m'appelle Léonard, pas Non, c'était pas Edgar. Gilou, il est beaucoup trop jeune. Non, c'était un Eddy Larouille, c'est un gars. Non, c'était le gars du gilet jaune, non? Pas gentil. C'était un prolétaire, je sais plus. Léonard, c'est un prénom de gars. Par contre, si je sors de là, je vais être cramé, non? Mais... Je viens de pop Non. ici, hein. Je m'appelle Bonjour. Léonard. Bonjour. Bonsoir. Ah, t'en es un ou pas? Est-ce qu'il en est? Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, monsieur. Moi non La plus. personne à ma droite, est-ce qu'elle en est? Il en est ou pas? Ben, si vous êtes homosexuel, je dirais que c'est possible au vu de sa tenue. Non, non, en fait, je pensais que c'était un des collègues, là, Oui, des il en gilets est, je jaunes. dirais. T'es un gilet jaune? Absolument pas. D'accord, très bien. J'ai confondu, en fait, je suis responsable. Justement, j'ai parlé au commissaire là, pour organiser nos actions. Je sors d'une réunion. Bon. Oh, merci, Ah, monsieur le vous faites partie de l'association des Gilets jaunes, enfin des mouvements. C'est bien ça. commissaire. Ouais, moi, pour le coup. Mais là, je suis en, on va dire, je suis hors service, là, pour l'instant. Je suis en stand-by. Ah, d'accord. Je suis responsable en fait, on l'a fait il y a une semaine, enfin il y a une semaine en fait, ça a commencé déjà depuis avant-hier, hier, mais depuis une semaine on essaie de mettre en place, comment dire, des actions avec bah, différentes personnes pour, et des personnes qui vont s'occuper de bloquer les endroits un peu stratégiques dans la ville, notamment les intersections, on l'a fait là sur la 50e avenue, et on a bloqué aussi la voie rapide, l'autoroute là, près de Main Street. Attaqueur, oui. Ben moi, je trouve ça très bien parce que vous voyez, comparé aux autres manifestations, bon, déjà là, c'est apolitique, donc ça permet. Ça n'a pas été pris par un parti politique. Ce qui est Oui, déjà c'est un ça, bon c'est point cool. pour les peuples français. D'ailleurs, on a apprécié, je sais pas, vous êtes de la Autre police, chose monsieur? qui est franchement sympathique, c'est que ben, vous êtes plus visible que lors des Merci, Jussi. manifestations basiques, vu que vous êtes tous en jaune, c'est pratique. Ouais, d'ailleurs, vous êtes représentant de la police, monsieur, là, le grisonnant. Moi là? Non, je parlais au monsieur Ouais. juste en face de moi, vous êtes de la police? Non, moi je suis le chef du SAMU. D'accord, très bien. Donc je disais, oui, on a organisé nos actions. Et ce qu'on a apprécié, en fait, c'est que la police de Los Santos était, comme vous le dites, derrière nous. On a été soutenus. Donc voilà, on a essuyé comment dire, quelques dommages collatéraux, si vous voyez ce que je veux dire, des personnes qui n'ont pas voulu s'arrêter. Il y a eu quelques dégâts, on va dire. Deux personnes qui sont allées à Oui, l'hôpital et je vois. il y en a une qui est Oui. entre la vie et la mort. Bon, après, de ce que j'ai remarqué, vous bloquez les pompes et vous laissez passer le SAMU, donc c'est gentil à vous. Ouais, on fait ça proprement, oui. Oui. Ah bah, je vois ça. Mais peut-être que j'aurai affaire à vos services, monsieur le directeur du SAMU. On risquerait d'avoir, comment dire, quelques blessures par-ci par-là, Dégâts donc on collatéraux. peut compter sur vous, je Déportement. suppose, non? Oui, bien sûr, ben vous appelez, moi je serai à proximité, quoi. D'accord, merci. Donc on va essayer de mener une Donc j'ai action. pas d'intervention, vous me dites quand vous manifestez, je reste à côté. Si j'ai une intervention, j'ai vite fait, je reviens, quoi. Il est bon, hein? Franchement, il est bon. Très bien, bon, aussi noté. Allez, moi j'y vais, hein. Je vais essayer de répandre mon slogan un peu partout. Nous sommes les Français et on aime la mosquée. Vous avez des très jolis crocs, vous faites. Oui, c'est les modèles Beetlejuice. Je vais d'ailleurs changer ça. Merci à vous. Ah, très sympa, ouais. Ça a l'air pratique. Ouais, il fait froid d'un coup. Bon. Une belle journée qui s'annonce. Ah, ça ne va pas cher les cadeaux. Là, qu'ils ont les moyens, la police. Oula, il n'a pas froid lui. Hein. Bon. On va se mettre en place. Je vais chercher des fringues là. Je vais me mettre en gilet jaune. Ça fait plaisir quand t'arrives à sortir du comico sans ban. Je veux pas écraser le. Ah si.
Le chien. Bon, on l'a fait, Madara. Après, on peut reprendre. Hein. Ça va, il me semblait légit. Vous vous rappelez un peu. C'était quoi déjà? Ah, oui, c'était. Non, attends, je m'en rappelle. Je réfléchis sur deux. Le petit gilet jaune des familles, je crois que c'était le dernier. Voilà, ça me semble bien. Donc ça va pas être RP, non? Je mets quoi comme godasse? Ouais, je vais mettre ça. Ouais. Ou soit, par exemple... Ouais, parce qu'il fait, il neige dehors, les mecs. Hein. Ouais, ils font un pull au moins, non? Mais est-ce qu'on verra mon gilet jaune? Ouais, ça va être compliqué, hein. Comme ça, non? Ou c'est un peu schlagué là. Putain, je vais essayer de faire allier la cause aux habitants de la ville, non? Des convertir. Pas forcément user des stalkers, mais. Après, je sais que je me fais pas d'illusion, il y aura certainement des stalkers, mais. Ouais, je sais pas. Ah là, c'est mieux là? Ouais, je sais pas. Non. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Au pire, voilà. Après, on dit qu'il a du sang, on va dire, du sang scandinave. Mais depuis tout à l'heure, il y a des bits qui pop. Go faire une manif gilet jaune avec les stalkers. Go bloquer le pont, non, ça serait énorme. Ouais, on peut faire ça, ouais. Un petit bonnet, ouais. Un petit bonnet, ça serait crédible, ouais. Ouais, je sais pas, Juicy, on peut faire ça, ouais. On peut... Je sais pas, attends. Je réfléchis. Tu souffres... Après, les Scandinaves, eux, ils se mettent en t-shirt, hein. J'en connais, même en Écosse, hein. Je me rappelle, les mecs, en hiver, ils sortent en t-shirt, donc c'est... Ça reste RP de ouf. Un bonnet, quand même. Comme ça? Un bonnet comment? Un peu schlagué ou... Comme ça? Non, ça fait girly de ouf, ça fait... ouais, ça fait... Ça? Non. Un bonnet, il fait froid, attends. Vous savez, on tryhard sur des trucs de merde, hein, les mecs. Bah, et le jingle, c'est quoi? Enfin, les slogans, c'est Macron démission? On le garde? Là? Ça fait un petit look à la Nice Tresca, non? Le streamer, je parle. Parfait, ok. Gant, tu me mets ici? En place, putain, mais regardez-moi ça. Bon, allez, c'est pas mal, je vais RP. Ouais, salut. Attends deux secondes. J'ai quelques recommandations à te faire faire, mec. Attends, quelques indications. Donc, je suppose que t'es là pour les gilets jaunes. Quel
les stockeuses, ça ne pas parler. Bon, va dans le magasin. Ah, t'es sourd-muet ? T'es muet ? T'arrives pas à parler, t'es con ? Autiste ? Oui. Bon, c'est pas... Oui, non. Oui, va à l'intérieur, va te changer, mets ton gilet jaune et ensuite on va essayer de le regrouper un maximum de personnes pour qu'il y arrive à cause. Allez, dépêche-toi. Mais non, Dream Life & Co. On peut tous sucer handicapés pour ses 20 ans. Mais non, t'as vraiment 20 ans ? Mais fallait me le dire, les mecs. Moi, je suis là pour vous sauter vos anniversaires. Dites-le-moi. Enfin, pas les pauvres, hein. Faut pas non plus, sinon ça va être un bordel à chaque fois. Les gars, sérieusement. Faut me le dire pour festoyer. Bon, allez, on va faire ça. Putain, vous me dites rien, les mecs. Sans déconner, quoi. Attends, on va mettre la musique, le générique. Oh, je viens pas d'esquiver un truc de ouf, là. En montant... What the fuck? Je suis monté dans le bus, mais au pire, au bon timing de ouf. Waouh. Oh là là, j'ai failli me faire... Je vous assure, les mecs, je l'ai même pas vu, j'ai pas de rétro, les gars. Il a voulu... On est d'accord qu'il a voulu me ken, c'est un stalker. Bon, allez, je vais mettre la musique et je vais mettre le son des alertes. On va le faire repop. Ah non, bah Stevering, j'ai oublié de le remercier. Bonsoir Ganry, bonsoir Stevering, salut à toi. Il faut la barre. Mettez la barre, les gars, sur le chat. Mettez le pli pour ralenti, mais je crois que je viens d'esquiver un truc de ouf. Goblo, quel pont. Mais quel pont. Attends, je veux juste souhaiter un bon anniversaire. Je savais pas que c'est ton anniversaire aujourd'hui, t'as quel âge? C'est handicapé? Dites-le-moi, hein, les gars, les abos, hein, si vous avez des anniversaires, on le fait en général sur, sur le live. À votre avis, laquelle je mets? Bah oui, forcément. Bravo à lui, les gars, je vous demanderai simplement au refrain de l'applaudir. En plus, 20 ans, c'est le bel âge. Bah pour moi, ça reste quand même un semi-pige, mais c'est pas grave, on lui en voudra pas. Joyeux anniversaire. Et commencez pas à faker sur le chat en disant « Ouais, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, Riri. » Commencez pas à venir. 20 ans, je suppose que voilà, il a toute la vie devant lui, il est beau certainement. Tu m'enverras une photo de toi handicapé. Bravo à toi en tout cas, 20 ans tu les as fait gros. Bravo à toi. Bravo. Merci à toi. Bravo. Et merci d'être là. Moi aussi c'est mon anniversaire. Point trop non faux non plus, faut pas non plus déconner. C'est gentil, belle attention, c'était Dream Life. Non, Stevering, je sais que tu es en train de me fake. Allez, on est reparti. Bonjour. Attendez deux secondes. On a tout le monde là? Bonjour. Oh le fils de... les gars. Vous avez vu la personne qui vient de se ramener en frontal? Ouais, faire attention. Ouais, ça a l'air d'être un connard fini. Il va falloir qu'on l'élimine. Donc, s'il vous plaît, veillez à ma protection. Ok. Chef. Bon, on est en sous-effectif. Donc, on va essayer de faire appel à la communauté. Là. J'ai sorti les applications Discord, Instagram. Okay, essayer de faire un maximum de bruit. Si vous pouvez être organisé et venir sur le serveur. Local que vous avez mis en place. Non, c'est pas un nouvel anniversaire. Merci Stéphane. C'est un ingénieur ça. Allez, ça dégage. Allez. Enculé de stalker, allez. On ferme sa gueule. Sors du véhicule là, viens de battre, connard. Et voilà. Je crois qu'il a coupé. Oh le fils de pute en moto là. Il a pas décollé sur le... On va essayer d'aller sur le point Napoli pour récupérer un maximum de personnes. Ouais bah de toute façon j'enlève les musiques mais là j'ai pas eu le temps là. Je vais faire un retour Windows après.
Oula. Il me faut encore plus de monde, il faut moi être une dizaine pour bloquer les gars. Mais et me protéger aussi. On va trouver un point. Moi j'arrive, mais Fulek et Pocket ils vont. Ouais, ils vont je vais pas, désolé, ouais. D'accord, ok. Bon. Alors, ça serait sympa de bloquer l'ouvrage d'art. Je suis en train de regarder un endroit stratégique pour empêcher les gens d'aller travailler, pour bien les faire chier. Faudrait qu'on trouve un autre camion aussi. Ouais, ça ce serait important. On va pas aller sur l'autoroute parce que ça a été un échec la dernière fois, vu que vous avez vu, hein, les moldus sont rentrés dans le tas. Ouais, c'est mal passé, quoi. Ouais. Et dans ces moments-là, je commence à avoir. Non, ça y est. Non, rien. En ville, c'est mieux, ouais, je pense. Mais à l'endroit stratégique, là, il y a de la circulation, les mecs, c'est où? Enfin, là où il y a des mecs. Non, Lulux. Il faudrait un carrefour assez emprunté, quoi. Moi, il faut pas chier, quoi. Il y a un camion là, sinon à récupérer peut-être, on va essayer de le mettre pour le récupérer. Ouais. Ouais, c'est pas assez grand, mais en attendant. Ouais. En attendant. On va essayer de bloquer peut-être la rue du commissariat. Mais c'est le mieux, je pense. Il est où le commissariat? On va essayer de faire ça bien, les gars. On se met où alors Putain, avance connard. À cet endroit là ça vous va? Bon, écoutez mes instructions. Ah, circulez, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Nous sommes les gilets jaunes. Tu m'entends? T'es où? Mettez vos gilets jaunes. Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis le représentant. Chef, vous devriez aller parler à la police là-bas. D'accord, je m'en occupe. Attends, parce que nous avons des revendications. Gilet jaune, tu retournes bosser, connasse. Bonjour, monsieur l'agent, c'est moi le représentant. Macron, démission. Bernard Boucabel. Macron, démission. Continuez à le répéter, je vais me charger du flic. Macron, démission. Alors, je suis le représentant. On voudrait augmenter déjà, dans un premier temps, notre pouvoir d'achat. Nique la police. Vous êtes là? Vous m'entendez? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur-là? S'il vous plaît, je suis en train de vous parler, monsieur. Non, tu ne vas pas bosser, putain de merde! Bon. Retourne travailler, monsieur, et reste là. Guignol, il a dit. Diminuer les taxes, bordel de merde. Bon,
Super bon, ah, Diesel. Ah, vous faites quoi, monsieur l'agent, là? Oh, bon quoi, monsieur l'agent, là. Salut. Attends, on va rater les scènes RP, merci, Jussi. Ouais, ça va. Monsieur l'agent, circulez, là, c'est pour votre... C'est pour votre sécurité, là. Vous avez dit quoi? Guignol, Guignol. Oh. Guignol, on t'entend pas, Guignol. Peut-être quelque chose. C'est on est en train de manifester, on est dans notre droit. C'est autorisé dans cette ville. Manifestation, c'est autorisé. À partir de maintenant, on bloque. Dans les deux sens. Là, vous allez pas bosser. Là, ville aux bourges. On va essayer de bloquer l'économie de ce pays. Capitaine. On va bloquer l'économie de ce pays. Nous avons le SAMU avec nous, nous avons la police avec nous. Oust, messieurs, oust. Tu dégages, t'arrêtes de bosser. Eh oh, eh, mettez vos gilets jaunes là, les personnes sur le bus là. Ah, mets non, ton gilet avez... jaune là. Non, moi j'ai mon costard. Bah tu descends alors. C'est notre propriété ici là, tu descends alors, voilà. Allez, ça circule, dégage là, voilà. Dégage, on t'a dit, connard. Bah ça se prolo, ouais, tu vois. Bon, ça va, vous êtes en jaune, vous, donc ça passe. On manifeste. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va partir en couille. Non, y'a pas de manifestation. Si, y'a une manifestation. Oh, gilet jaune là. Oh, les gilets jaunes. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Papa en avant et deux pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Papa en avant et deux pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Je suis bourré, je connais pas les jingles. Les pouces en avant, les pouces en arrière. Aucune hésitation. Non, à la précarité. Oui, à plus de CDI. On bouge pas tant que le cours du diesel ne baisse pas. C'est compris? On reste là et on se battra pour nos droits. On fait ça pour les routiers, les taxis, les travailleurs, les veilleurs de nuit, les ouvriers. Nous sommes leur porte-parole, gilets jaunes. Et s'il y a un connard, une connasse qui fonce en scénique, terminez-la moi, s'il vous plaît. On lui nique sa mère. Qu'elle soit mère de famille, qu'il y a des gosses à l'intérieur, on en a rien à foutre, nous. On les bute. Ouais, il faudra un DJ qui... On en a marre. Choisissez les plus vulnérables, les plus faibles. Ok, sortez de leur véhicule et crachez-leur dessus. Mettez-leur des brèches. Par contre, il y a un autre. Il y a un autre collègue là, qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi il nous regarde le flic là? Oh, hé, oh! Oh, vous faites quoi là? Oh, arrête de viser par ici. Oh. Je veux parler au représentant tout de suite. C'est ta culame. Qui veut parler au représentant? C'est moi le représentant, il y a un problème, monsieur l'agent? Sortez vos gags de combat et pissez-lui dessus, les gars. Pisse dessus là. C'est notre chiennasse. Tu travailles pour qui là, le bleu là? Eh, le cadet! On t'entend pas, parle fort sur ton dans ton micro là. Voilà, allez, hop, c'est des. Récupérez son arme là, les gars. T'as pas arrêté là, elle me menaçait avec ton taser, connard. Bravo, ça a le mérite d'être clair, moi. Ouais, eh, le pige derrière là, je participais, alors monte ici, voilà. Oh là, le gars là, derrière là. Le Rockmout. Eh, le Rockmout, monte ici là. Arrête de balécher les moldus. Aucune hésitation. Non. À la précarité. Oui. À la baisse du diesel. Un mort. Il y a eu un mort chez les gilets jaunes, mais non. Regardez bien. Et voilà les effectifs. Un petit check-up des effectifs, s'il vous plaît. On fait un recensement. Est-ce qu'on en a perdu un ou pas là? Présent. Tout le monde est là. Gérard. Francis. Michel. Dites présent, bordel de merde, quand je prononce mon pseudo. Enfin, vos prénoms. Putain, merde. Benjamin. Ouais, Jean. Benjamin.
Réjean ! Benjamin ! Réjean ! Jérémy ! Réjean ! Benjamin ! Réjean ! Benjamin ! Réjean ! Jérémy ! Réjean ! Eh le bourge là ! Dégage ici, on t'a dit, connard ! Bon, éliminez-moi ce bourge, y'a rien à foutre ici. Allez, ça dégage. Allez, voilà, allez hop. Y'a encore un connard qui vient de Versailles, ça. Pas mal ce tour, ça. Une vraie pute de luxe, ça. Tu ferais du bien, toi, un routier, j'en connais un. Il serait ravi de te mettre une cartouche, toi. Bon, pour l'instant, la police a l'air d'adhérer à notre mouvement, c'est cool. On va continuer comme ça, on continue à barrer. Ça ne circule pas. Ok. Bon, par contre... Ah, attendez, attention, attention, c'est bon, on a la police. Nous sommes les gilets jaunes. Non, 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 à la précarité. Oui, 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 à plus de CDI. Il y a un souci, monsieur l'agent, c'est moi le représentant des gilets jaunes. Nous sommes en droit de manifester. Réanimez votre collègue et circulez. Veillez simplement à notre sécurité, je vous remercie. Madame, retournez de l'autre côté, s'il vous plaît. Faites un gauche-gauche. Vous allez à gauche et ensuite à gauche, c'est demi-tour. Guignol, guignol, guignol. Bonjour messieurs, nous sommes en manifestation, je suis le représentant. Vous vous occupez de monsieur l'agent ? Oui, vous avez mis sur l'urgence. Oui, on risquerait d'avoir encore des comment dire, des blessés, donc continuez à œuvrer, on vous regarde, on vous protège, vous en faites pas, on vous alertera. Encore des blessés, monsieur ? Les gars, je compte sur vous. Pour l'instant, on n'en a pas là. Pour l'instant, c'est bon, il y a juste cette personne qui est mal en point. Merci pour votre aide. Vous allez rester là ? Monsieur, s'il vous plaît, le pige là. Vous venez là tout de suite, par contre. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, toi, tu parles pas trop. Eh oh, et vous parlez sur un autre ton là. Oh. Un peu délicate, hein. Un Bréchat est vite arrivé, monsieur. Oh, s'il vous plaît, parlez-moi sur un autre ton. L'agent, il a continué son service. On... Mais non. Mais non, il est en train de. Ah, bah, visiblement. Oh là. Eh, mon bonnet. Mais non, mais je suis en train de bloquer. Il m'a. Mais non, il m'a attaché, ce fils de pute. Je te brécha, moi. Falloir me libérer ou alors, je sais pas, quelqu'un m'assomme et demander à un médecin de me relever parce que là, je comprends pas. Là, je suis attaché, là. Je suis attaché. Ouais, t'as attaché, on peut rien faire. Ok, attendez. Je reviens tout de suite. Oh, parce que c'est chiant, les gars, sérieusement, il est con, l'autre flic, là. Du coup, je vais aller chercher mon gilet jaune, encore une fois, là. Bon, ça va, le magasin, il est à côté, mais c'est casse-couille, quoi. Il est con, le... Franchement, il est con, il comprend rien aux ERP, hein. Ah ouais, Apollo. Je décore au cours. Apollo. T'es là ouais. Jusqu'à Décoroco, non, c'est bon. Ouais, ouais, c'est Décoroco. Ok. Guignol, guignol. Putain, le guignol était excellent, quoi. Non, mais là, il a eu raison, le mec, de le patater, le flic, non. Il a pas le droit de me mettre les menottes comme ça. En plus, il m'a mal parlé. Il me parle mal alors que je suis le représentant. Normalement, un représentant, le flic, tu lui parles correctement. T'es en facial, certes. Tu le prends en frontal. Tu lui dis clairement les choses. C'est ce que je voulais faire. Moi, je suis le représentant. Je suis le chef. Alors, certes, j'ai plus de charisme que lui. Le mec, on entendait même pas dans son micro. Vous avez entendu? Il avait une voix de victime. Victime. Guignol. Guignol. Le gars, il voulait faire le show. Un V7. C'est très bien qu'il allait prendre cher. Bah oui, il faut le patater direct. Oula, 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 oula. Oh
passe quoi là? Ouais, attendez, je vais chercher mon gilet jaune, reviens. Merde, je l'ai vu. Bah là, pour le coup, on fait des on fait une manifestation pour la bonne cause, Maero. Là, on l'entre même pas, là, on est vraiment à fond, quoi. Une cause à défendre, on le fait sérieusement, quoi. C'est chiant, quoi. Elle est où cette Mercedes? C'est pas moi. Bon les gars, on s'organise les gars. Mettez-moi le camion s'il vous plaît devant là, en opposition là. Ouais, c'est bien, c'est très bien ça. Il est passé où le bus? C'est surtout que là tous les véhicules vont bouger, sinon ça va être un kill. Attendez monsieur, attendez, je suis le responsable. Vous avez... on va en parler. Venez. Mettez-vous en sécurité, mettez-vous sur. Non mais là je parle pas FP. Alors, je vous explique. Là, je suis en manifestation, gilet jaune. Attends, moi je te parle pas. Écoute-moi bien, qu'est-ce que tu racontes là? Je te parle pas RP, je suis modérateur. Maintenant, je te dis juste une manifestation, ok, c'est RP, tu peux la faire si tu veux. Mais là, vous allez tout faire péter, vous allez tout faire exploser. Donc, oui, mais bon, une manifestation, alors, le souci c'est qu'on est en train de bloquer la route et tu veux qu'on bloque quoi avec nos bits? Écoute, tu fais comme tu veux, j'en ai strictement rien à foutre. Mais là, tu vas pas. Déjà, parle plus fort, on t'entend tu vas pas. Des explosions. On n'a rien créé, c'est une action pacifique. On est là avant tout pour la paix des ménages. On s'occupe des citoyens. Pacifique. Ce qu'il y a, c'est que là, en hors RP, je te parle, moi. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est comme pour ravager ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire, RP? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais lui, c'est pas possible, je suis tombé sur. Monsieur, alors, attendez, permettez-moi de douter un petit peu de vos compétences. Montrez-moi votre carte. Votre badge. Non, mais, en fait, le truc, c'est que. Je suis modérateur. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non mais bon, là, les gars. Sérieusement, je vous parle pas RP, je vous parle en dehors du jeu. Mais quoi? Comment ça? C'est que ça veut dire quoi? Quel jeu? Bon, attends, c'est très sérieux ce qu'on fait. En gilet jaune. Il a forcé sur le Ricard, je suis là. Il y a le Père Noël. Je suis le représentant, il y a des pères de famille, des ménages qui sont là pour nous aider, qui nous ont élus à la majorité lors de l'Assemblée Générale. Donc là c'est très sérieux monsieur. Donc arrêtez de vous foutre de notre gueule, s'il vous plaît. On est pas là pour jouer. Bah la route elle est débloquée, c'est bon, elle est débloquée là, c'est bon. Voilà, vous allez faire comme ça. Bon, butez-le les mecs, c'est bon, il m'a saoulé. C'est bon, on va. Normalement on a enlevé les véhicules. La branlette tout ça. Tout tira bien. On respecte l'agent de police, s'il vous plaît, même s'il est un peu con. Ok, bon, tire à vue. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est qui? Bon, y a comme un problème là. Bon, il y a un intrus dans l'eau là. Bon, je vais me mettre en sécurité, je vais attendre ici. Dégage si tu veux pas que je te mette une mandale. Oh, très aimable. Merci Enjoy V2. Je vais rester ici comme ça, je suis tranquille. Oh non. Non, il a été relevé le flic. Panne détectée, appelé un garage. Merci beaucoup Enjoy. C'est la manif des gilets jaunes, ouais. Comme on l'a embobiné le flic. Pacifique vraiment.
Oh non, ça part en couille, regarde là-bas. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Il se fait get-get le flic. Il était plus sûr d'être modo à la fin. Ah ouais? Ah ouais, je pense qu'il a bégayé. Oh putain, y'a un camion, y'a un bus, y'a un bus. Fallait le récupérer le bus. Récupérez le bus, les stalkers, s'il vous plaît. Bloquez-moi le bus. Nice. Mais non, mais faut pas lui tirer dessus. Mais là. Go récupérer. Plus le bus. T'as pris 36 tonnes sur le front. L'autre qui ramène le... BFMTG. Le chef des gilets jaunes était ici. Oh putain. Attends, je vais quand même appeler, il m'a dit qu'il était assez réactif. C'est quel médecin, médecin. On va appeler un médecin les gars, attends. Ça, ça ira plus vite, j'ai la flemme de faire. Ah, Pau, il faut que t'appelles un médecin pour moi, s'il te plaît. Ah ouais, gros, il arrive, tranquille. Ok, thanks. Je suis le représentant. Ils ont pu récupérer. Oh, putain. Il est ici, là. Ah ouais, t'es KO, toi, les énormes. T'es KO. Vous le voyez pas là? Ah si, c'est bon. Après on partira peut-être sur une petite session RP sur un serveur américain parce qu'ils sont chauds aussi. Gros remake de samedi, bah y'a rien. Allez-y, allez-y. Franchement ils sont cool dans le serveur, hein. Sur le serveur c'est vraiment cool. Bah il arrive, il va chercher des medikits, il arrive. Des medikits. Oh là là. Eh hey man ta gueule là. Salut Rockmout. Salut. Du coup on fait quoi les mecs pour l'OP? Dernier barreau d'honneur, on brécha le flic et on décroche. Non, Igno, franchement, on est tombé sur des servicains, hein. Le RP, il est vraiment au-dessus. Hein. Les mecs, ils tiennent leur rôle, mais à la perfection. Hein. Bah, tu vas voir, je vais essayer de chercher un chien. Qu'est-ce qu'il fait, il se branle. Ici, les médecins. Par contre, tu verras jamais du HRP comme ça. Hein. Bah, demande à Kazu, je sais pas qui a assisté hier au live. Y'a pas un médecin, là? Si, si, ils sont là. Là, vous. Il est ici, sur moi. Mais non, Juicy. Juste ici, là. C'est juste ici, là. Ouais, c'est un délire. C'est vrai que c'est un délire différent, Kazu. C'est vrai que c'est un délire différent. C'est différent. Bon, après, moi, je prends du plaisir dans les deux. Hein. Ça va. C'est juste que je suis impressionné. Je pense que je suis impressionné parce que comme c'est en anglais. Hop là. Ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous êtes fait rouler dessus par un bus. Je sais pas chef. Trop quoi. Et ensuite par 3 ou 4 voitures, je crois. Attention. Et un avion. Ah bah le. Oh, ça va. Ah, le médecin en chef, attendez, on va essayer de voir s'il va bien. Vous allez bien, monsieur? Ouais, c'est bon, donc ce qui va se passer, c'est que. Notre fraction organisée, là, on a essayé de bloquer la route, mais visiblement, les gens, ils nous écoutent pas, il y a beaucoup de dangers, donc on va arrêter. Ce qui va se.
C'est vous qui m'avez parlé tout à l'heure, c'est ça? Ouais, je suis responsable, comme je vous ai dit, les gilets jaunes. Ouais, parce que le problème, du coup, là, c'est que mettre un bus au milieu de la route, c'était pas la meilleure idée qui soit, quoi. Ouais, ouais, bah on pensait avoir eu du génie pour le coup. Parce que autant bloquer les habitants, bon, d'accord. Mais le problème, c'est que ça bloque aussi les moldus et eux, ils sont un peu cons du bulbe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, le souci, c'est qu'on veut bloquer l'économie de ce pays et il était important pour nous de les empêcher d'aller au boulot, quoi. Ah, oui, oui, oui. Ben, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut bloquer les ports. Parce que les ports, ça représente 80% de l'économie d'un pays. Ouais. Surtout qu'on est sur le littoral. Autant l'importation pétrolière qu'en importation ou exportation de biens et services, quoi. Donc d'accord. Moi, si j'étais vous, j'irais bloquer les ports. Bon, après, je sais pas sur un gros... Attendez, il faut absolument que je trouve... Les gars, vous savez où se trouve le port exactement? Quelle direction? Ouais, on sait. Il est là. Là-bas. Ouais, mais... C'est le port industriel, hein, pas le port de plaisance, hein. Confondez pas. Bah oui. Vous savez que Los Santos est composé majoritairement en termes de pas mal de filles de joie et de putes. Un voilier et un scooter de mer. Dans cette ville. Et si on bloquait l'économie du sexe, par exemple, ça serait intéressant de bloquer, par exemple, la boîte, le fucking Blue Boy, quoi. La boîte de nuit, peut-être, ça peut être intéressant, comme ça on bloquerait l'économie du sexe. Ah, c'est rigolo. Le monsieur juste là, il a une coiffure de Vulcain, comme dans Star Trek, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Oui, je suis Vulcain. Bonjour à tous. Vous pouvez faire le signe avec la main pour le prouver, s'il vous plaît. Je vais essayer. Ou alors peut-être bloquer l'entrée du commissariat. On se met en opposition, on fait écran. Après, c'est le commissariat, il n'est pas trop responsable des directives du gouvernement, quoi. Ouais, et ça... Attendez deux secondes, il y a de l'argent. Merci. Non, on a mis de la route, attendez. Eh, connard, là. Eh, c'est le Père Noël. Je te préviens, guignol, là, sortons. Bon, attends, je vais bloquer l'économie, également. Noël. Les gars, vous me le terminez, les gars. Alors, toi... Y'a pas de boulot, putain, on t'a dit! Y'a pas de Noël surtout et pas de cadeaux pour les gosses! Viens là, là! Pas de cadeaux pour les gosses! Holy shit! Qu'est-ce que c'est, là? Vous avez encore des bandages, c'est bon! Très bien, une bonne journée à vous, au revoir. Eh hey, monsieur les médecins, est-ce que vous vendez des medikits? Oui. Vous en vendez à combien? Bah attendez, je me souviens plus très bien des tarifs. Parce que bon, nous on fait des manifestations et on se fait souvent écraser par les travailleurs du coup. Un bordage c'est 100$, un medikit c'est 1000$. C'est quoi ça, c'est bien ça? C'est bien. Et ça. Vous en avez combien sur vous des medikits que je peux acheter? Ah, j'en ai pas énormément, du coup ça va se compter. C'est bien ça. Trois, je vous vends, pas plus. Ok, bah je vous en prends trois du coup. Vous êtes par là. Ok. Ok. 3000 euros du coup. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quoi, monsieur? Pas retour, s'il vous plaît. Venez, comme monsieur. S'il vous plaît, il y a une transaction ici, veuillez circuler là. Et comment ça on circule? Du coup, je sais pas si c'est bien parti pour vous. Venez, on va se mettre bien. Ah, j'ai des jaunes là. Je te demande de circuler, de baisser tes yeux s'il te plaît. Il y a une transaction qui est en train de se dérouler là. Comment ça, baisser les yeux? Tu menaces? Oh, tu menaces? Avec ta dégaine de schlag, connard. Bien sûr que je te menace, alors ferme ta gueule maintenant. Terminez-le-moi, les gars. Merci. Bien joué, efficace. Arrête. Bien joué, les gars. Arrêtez-les, arrêtez, pourquoi vous le frappez? Il avait qu'à pas faire le show, ton copain. Maintenant, t'as plus qu'à le sucer, ça te fera réchauffer la bite. Avec un peu de chance, ça va se faire. Eh ben, viens me le dire en face. Je te le dis en face. Bon, Gérard, tu t'en occupes, lui aussi, hein, la Terre-Louse. Moi, je vais voir les autres. Vas-y.
Éliminez-le moi s'il vous plaît. Ben viens. Ben viens t'en occuper, vas-y viens. Viens. Allez, ferme ta gueule. Allez hop. Bon ça en est où, ça se passe la transaction, on aura peut-être besoin des mini-kits. Voilà. Hein. Ouais tranquille, tranquille. Et vous pouvez facturer la manipulation en même temps. J'ai rien du tout. Ah. Fermez, ouvrez, voir. Là franchement au niveau des stalkers, nickel, ouais, super bonne cette mini. Ah. Macron démission. Bah venez on s'éloigne, restez pas autour de nous s'il vous plaît gilet jaune. Bah ouais mais pourquoi ils reviennent vers moi là? Ils aiment mon petit cul. Bah quoi, ils nous aiment je pense. Ok c'est bon, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. C'est séduisant. Bon bien joué les gars, bien joué la milice. On va réussir. Du beau travail. Faut pas les. Je vous donne ça en liquide hein. Ouais bien joué hein, bien joué. C'était des mecs des malotrues qui voulaient s'en prendre à notre mouvement, bien joué. Merci de l'avoir défoncé ce connard, c'est gentil. Ah, moi j'ai rien fait du tout. Vous avez rien fait, vous êtes sûr? D'accord, je pensais que vous étiez sûr. Ah, certain. D'accord, très bien. Moi j'ai frappé personne. Ah bah, restez en stand-by, surtout ne réanimez pas quoi. Je vais qu'il crève la bouche ouverte. Je n'ai rien. D'accord, d'accord, très bien. Vous avez rien vu, on s'en occupe. Bon. Gérard, tu m'occupes, on s'occupe du cadavre. Là. Allez, y'a plus ça, putain, mais c'est bon. Ouais, ok. On va le laisser crever de toute façon. On va le laisser décomposer. Ouais, j'ai eu quelques doutes à votre sujet, merci de nous avoir aidés là. C'est vrai que c'était des cons qui s'amusaient à nous frapper, merci à vous. Ah, bah de rien, mais c'était avec grand plaisir. Moi c'est Charles, je devais le dire. Enchanté. Et vous? Partie, Gérard Boucabel. Oui, oui, Gérard Boucabel. Bah, je suis travailleur, ouais. Je suis veilleur de nuit et je suis représentant des Gilets jaunes. J'ai cru vous voir traîner un jour avec mon jardinier. Ouais, donc, s'il y a souci, vous me dites. Hein, si vous êtes dans, dans une situation d'insécurité, je ramène mon cartel, on s'en occupe. Ok, d'accord. Bon, je ferai appel à vous, il n'y a pas de souci. Il y a un monsieur bizarre à côté là. Ouais, ouais, attendez, je vais voir, je vais le questionner avec un peu de chance, je pense qu'on va lui rentrer dedans. Attendez. Monsieur le Père Noël. Vous votez à droite, je suppose, oh, non oh, oh. Un seul mot, chef. Vous allez. Attendez, on attaque étoile. Bien joué, ça, très discret. Bien joué, efficace. Bravo. Pas de soucis. Bon, les médecins, ils en sont, hein, ils sont de notre équipe. Ouais, de notre équipe, ils sont gentils. Des bons gars. Ah, les médecins, ils sont très gentils, ils sont cool. Ah, par contre, je voulais pas qu'ils les relèvent. Bonsoir, monsieur les agents. Les gars, il va falloir être très discret, ils les ont relevés. Donc, on va attendre que les médecins s'écartent et ensuite on les allume, ok? Ok, ok. Il manque d'effectifs là, non? Ouais, mais en tout cas, j'ai fini les instructions. On va attendre que les médecins s'écartent de Zigoto là qui ont essayé de nous agresser, faire les shows. Dès qu'on a une visu, dès qu'ils sont. Alors, il y a le monsieur avec le costard blanc là-bas et la tantouse là, avec les cheveux roses. Ce sera les deux bonhommes à éliminer. Ok. Target Locked, c'est bon. Merci à vous. On attend qu'ils s'écartent et on exécute. On les exécute comment? On les coupe en deux ou une balle dans la tête? Bah faites ça à l'arme blanche ou une balle dans la tête. Ok, arme blanche. Vous avez un canif? Visez bien le pancréas ou le foie. Ah, effectivement. Vous avez du gros matos. Ouais, ça devrait aller, ça devrait aller. Ok, la police part. On intervient? Attendez que les médecins s'écartent. Il est avec nous le bourgeois de toute façon. On veut pas de témoins. Ouais ouais le bourgeois il est avec nous. Eh, un gilet jaune, est-ce que vous pouvez aller faire diversion? Ah non, c'est bon. Ah si. Faut essayer de dégager le mec au costard bleu là. Je veux qu'il baigne dans le sens quand même. Naturel c'est dans son cerveau. Il a parlé d'aventure etc. Mais moi je viens de ranimer la personne. C'est bien dégueulasse. Il faut vérifier l'état de la santé de monsieur.
Si vous voulez bien, on va s'écarter un peu, monsieur, à la veste noire. Ça marche, monsieur, ça marche. J'attends qu'il s'écarte, après on le termine. Ah, lui, je vais me faire plaisir. Les propos tenus sont ceux de son personnage, en aucun cas des personnels. Ouais, il faut le rappeler, c'est important d'avoir ça. Là, il est encore là-bas, il est encore là-bas, hein, il y a encore le médecin. Ouais, il y a encore le médecin, il y a encore le médecin. J'attends, attends, mais de quoi ils discutent? Attends, c'est chiant. A votre avis, le noir là, il fait quoi? C'est qui ce mec? Au pire, ce qu'on peut faire, chef. Ouais. On peut le. Je prends une voiture 4 places et on peut le choper et le ramener, le séquestrer dans une montagne. Ouais, on va essayer de faire ça. Je pense pas qu'il va monter. Ah, si, il va monter. On va le braquer avec un gun, il va monter. Par contre, son pote l'attend tous là, il est plus là. Ouais, bah justement, il est tout seul. Il est tout seul comme ça. On le met dans une cave et on s'occupe de lui, quoi. Allez, c'est parti, je vais chercher un véhicule. C'est bon, vas-y, allez-y. C'est mieux, non? Non, c'est mieux, je pense qu'on va le mettre dans le véhicule et après on en fera notre pute parce qu'il a trop voulu faire le show. Lui, ça va être ma pute. Mettez-le dans le coffre. Il faut pas le buter, il faut le prendre vivant, quoi. Il faut vraiment que ce soit soumis comme une victime. S'il fait le mec, par contre, on le bute, non? Fait une fausse alerte, ouais, j'avoue, pas con, ouais. Ça serait bien qu'un de vous aille à un endroit et s'il y avait une fausse alerte, là, comme ça, on écarte les médecins. Ouais, ok. On attend de ma proie là. Tiens ta scène, ouais je sais de la tenir mais c'est pas évident, hein. Là je suis focus. Eh monsieur, vous voulez me parler? Ouais. Tu vas le suivre. On a quelque chose à te dire. Non monsieur, pas envie de vous suivre. Moi je préfère rester devant le commissariat pour être sûr que vous m'entendez. Évite de faire malin, tu crois que j'ai pas compris? Hein, ce que t'es en train de manigancer avec les médecins? J'ai peur de la barbe. Je te demande de baisser d'un ton. Et surtout de changer de fusil d'épaule. Monsieur, suivez-moi. Parce que ça pourrait être très mal. Ok, d'accord. Regarde cette victime, il va voir le médecin. Il a tenu des propos menaçants. Ah oui, mais moi je suis non, salué, non, je suis pas policier. Ouais, monsieur, je monte dans votre voiture, sécurisez-moi s'il vous plaît. Monsieur, j'ai peur. Victime, mais quelle pute! Mais quelle pute là! Mais sale monsieur, pute va! Sortez du véhicule, on vous a dit tout ira bien. Monsieur, je vais me faire agresser. Monsieur, je vais me faire agresser. Monsieur, j'ai pas de téléphone, il est tombé sur la route. Putain, mais quelle victime quoi! On l'appelle pour vous, vous descendez. Allez, venez, sortez. Non mais quel tenteur, bordel. Sors les portées un peu là, bordel. Monsieur, regardez la voiture. Assume tes propos, connard. Vous êtes au commissariat, ça sert à rien. Y'a un monsieur, j'ai peur. En plus, on bloque la route, vous êtes en sécurité, là. Bah alors, on l'entend moins ta grande gueule. T'as des glaouis qui pendent. Monsieur, je ne suis pas en sécurité, monsieur. Monsieur, en plus, ils montent à côté de moi. Monsieur, en plus, ils sont tous moches. Eh, monsieur, j'ai une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Les gilets alors, jaunes, monsieur. Mais qu'est-ce que vous jetez sous les roues de ma voiture? Hop, doucement. Vous voulez vous faire péter l'assurance? Depuis quand nous sommes serveurs Mérard, je suis. Allez, hop. Bon, descends là, comme toi là. Hop. Les gars, code B.
reviens ici là, on t'a dit. Arrête-toi là. Il te fera. On te fera aucun mal. Attends, reste là, bouge pas, on t'a dit. T'es notre pute là maintenant. Tirez sur les pneus, voilà. Voilà, reste là. Tirez sur les pneus là. On le veut vivant. Tu vas être notre pute là, voilà, reste. Voilà, lève les mains en l'air, c'est bon. Monte dans le véhicule noir tout de suite. Pardon chef. Bon, conducteur. Pas de problème. Les gars, c'est bon, on a notre victime. Ah, monte. Tu montes, toi, de Brescia. Pas celui-là, ouais, là, ici, pas celui-là. Monte celui-là, là. Le gris. Attendez, il est en train de s'enfuir. Il est en train de s'enfuir. Oh là, il y a sa tantouse de fils de pute, pote. Tirez sur les pneus, on le veut vivant. C'est bon, il est mort, c'est bon. Neutralisé. Quatre, je te dis. Arrête-toi là, sinon on te met une balle dans la tête, là. Arrête-toi là, on t'a dit. Monte dans le véhicule noir. C'est bon, montez avec lui, chef. Allez, amenez-le, on l'a dit, là. Dans un endroit secret, on va... On va lui poser quelques questions. Mais pour le tenir en... pour le tenir en joue. Hey, je te suis... Hey, monsieur, vous êtes pas très beau, quand même. Je comprends pourquoi. Commence pas à ouvrir ta gueule, tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Compris. Mais je m'en bats les couilles, monsieur. Oh putain, encore un sudiste. On va t'apprendre non, le respect. Non, shit. Bah alors tu chies dessus. Non, pas du tout. J'ai même envie de m'asseoir. On va voir si tu vas faire le malin maintenant. Bon les gars, lève les mains en l'air, s'il te plaît. Tu les vois pas, j'ai les mains en l'air. Donc, explique-nous un peu ce que t'as dit, qu'est-ce que tu manigances avec le médecin là? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je manigance avec le médecin? Mais t'es con ou quoi? Il vient de me réveiller du coma. Comment ça il est con là? Eh, je parle à ton pote, Paul de Carotte. Moi j'ai peur des gens qui ont une arme, j'ai pas peur pourquoi de toi. Pourquoi t'as haussé le ton quand je t'ai pour parlé? Pour le moment t'es une petite pute tu comme ça. Tu sais que c'est moi qui gère cette ville, t'es au courant? Eh monsieur, c'est peut-être vous qui gérez cette ville, mais maintenant j'ai une question à vous demander. Est-ce que je peux vous la poser en privé vu que vous êtes le chef? Dorénavant tu vas être ma chienne, ok? Reste les mains en l'air. Eh, hey, tu présentes bien. Formation étoile. Écoute-moi bien, je peux te poser une question ou pas? Allez, pose-la, ça va être ta dernière volonté. Ouais, mais dans ce cas-là, je te la pose en privé, pas devant les quatre clébards derrière. C'est lui le chef, et ferme ta gueule là, on t'a dit là. Quoi les clébards? C'est qui le chef? C'est lui? Eh mon pote, je peux te poser une question? Vas-y, pose ta question, c'est ma team, c'est mes frères. Ils ont le droit de savoir. Frérot, ça a plus l'air d'être autre chose que tes frères. Hein. Nous sommes des gilets jaunes, mais c'est rigolo. En privé. Non, je vais te la poser à toi en privé. J'aimerais te la poser à toi, juste à toi. Si tu veux me la poser en privé, j'ai les mains en l'air. Ça... Regarde, j'ai pas d'armes. Baisse-toi, je te dis. Je peux pas me baisser, monsieur. Je ne connais pas le muscle pour me baisser. Montrez-lui, les gars. Contrôle-toi, monsieur. Contrôle-toi. Eh oui, contrôle-toi, là. Contrôle tes jambes. Contrôle-toi. Monsieur, je contrôle mes jambes, mais ça ne veut toujours pas me baisser. Voilà. Ah, j'ai trouvé, monsieur. Voilà. Nickel, en face de moi je te demande là, en face de moi, mets-toi là, en face de moi là. Eh par contre, eh monsieur, ton pantalon il ne va pas, il est trop grand, hein. Faut que tu prennes du poids un peu. Attendez, ce que je vais faire c'est... Eh arrête de tirer toi. Arrête, tranquille. Non c'est bon, pardon. Me mets-toi tire pas en dessus, face pardon. De moi. Oh yo. Oh attends, il fait de la guitare sans guitare. Il arrête de parler hein. Ça. Arrête de te parler. Eh monsieur, je suis désolé, j'ai trop mal au genou. J'en ai rien à foutre, ça fait mal de rester à genoux, monsieur. À partir de maintenant, je baisse mon froc. Tiens-la-moi, s'il te plaît. Tiens mon sgeg, s'il te plaît. Tiens mon. Eh, hey, mais tiens t'es ma pédé. Putain mais de t'es bite. Pédé. Non, mais rien t'es à pédé. Voir. Oh, les gars, il est pédé. Oh, tiens-la-moi, décale-la-moi, je te demande. Oh, oui. Oh, monsieur, vous avez une batte en fer, vous savez que ça fait mal, ça. À 5 secondes, je vais demander de la sucer. Si t'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, il y a mon collègue juste à ma droite, là, juste à ma gauche, qui va t'éliminer.
Eh ben, dans ce cas-là, je préfère me faire éliminer, monsieur, parce que vous avez pas l'air très propre. Voilà. Moi, je voulais qu'il me suive, moi. Envoie-moi la potion magique. Tu l'as ? T'as la popo ? Ouais, ranimez-moi. Tiens, utilise ça. Et je fais que ça marche comment ? Je viens de le recevoir, vous avez reçu un medikit. Oh merde. Ah mais Yves, fais pas n'importe quoi Yves, s'il te plaît. Et suis un peu parce que là tu as... Utilise ce que je t'ai donné dans tes poches là. Ah dans... Utilise ton medikit. T'as la touche, c'est quoi la touche ? Quelle touche ? Ouais, quelle touche ? Hein ? F2 gros. T'arrives à le faire F2 ou pas ? Ouais. Alors tu fais F2, tu vas dans me concernant, inventaire. C'est bon, oh trop bien, oh trop bien gros. Ah mais il faut... mais il faut ça en fait tout le temps ! Ouais, faut aller en acheter chez les medics. Attends, je le donne à l'autre là qui est au sol. Qui se revive aussi. Vas-y, Leroy, là, utilise-le aussi, là, dans tes poches. Super bonne cette balle. Ah merde! Putain, fais chier. Non, le père Noël, je vais le punir, hein. Il fait de la merde, il a fait n'importe quoi. Ah ouais, mais le père Noël, gros. Ben voilà, c'était bien qu'il finit bien. Bravo, les gars, je suis fier de vous. Pas de l'eau, c'était fragile. Bon, il faut retrouver l'autre. L'autre tantouze. Certainement de ses collègues, faut les éliminer un par un. Nous aurons sa peau. Ouais. Et nous régnerons en maître dans cette ville. Allez, on va le chercher, on va le traquer jusqu'à la mort. Tout le monde dans le mammouth. Pas mal là, cette petite scène. Superbe. La radio, s'il te plaît. Allez, on y va. Attends, bouge pas. C'est qui lui, là ? Aucune idée. Voilà, allez hop, ça dégage. Bien joué. Non mais de nos jours, ce qui est chiant, vous le savez les jeunes, c'est que les gens ils se présentent pas, ils disent pas bonjour, ils s'amusent, voilà. C'est ça, ils ont pas de gilet jaune, écoute, ça dégage. Attends, me dites pas que vous avez tué le bourge quand même. C'était pas le bourge. Non, c'était pas le bourge. D'accord. Le bourge il est en tenue violette. Faudrait aller acheter des medikits à l'hôpital là. Ah, c'est lui le bourge. Ouais, ok, d'accord. Donc il faut absolument retrouver le truc avec les cheveux violets quoi. Mais non, BLCK me dit sur la plupart des serres tu te serais fait instant ban. Non, je pense pas. Ah, ça c'est une bonne idée ça, Lucifer. Go faire un flic ta pute comme lui, ça serait énorme. Je voudrais choper un flic et en faire une pute, notre pute. Non, c'est RP. C'est des choses qui arrivent, ça dans la. Bon, après, ce qui aurait été. Ah, la radio là. Ce qui aurait été super RP, c'est qu'il me suce quoi. Il a pas voulu. Direct ban pour ça, sérieux, dans d'autres serres ? Non. Ah, ouais, mais le RP est limité du coup. Ouais, y'a personne. Et y'a personne. Bien voilà, c'est. L'autre il nous fire, en même temps il nous fire. On est un gang, il nous fire, donc forcément on le déboîte. Instant. Bah oui, mais il a pas le droit de faire ça, il a pas le droit. Sûrement armuré parce qu'il va sûrement. Là on est strict, je suis obligé de tenir mon rôle jusqu'à la fin, donc là je suis strict. C'est soit t'es strict, soit tu l'es pas quoi. Ouais, je pense Madara, je pense qu'il faudra avoir plus. Il faut que ce soit un minimum justifié. Là, c'était complètement justifié. Après, sur d'autres serres, je pense. À mon avis, ça passera pas. Je pense que ça prend un ban. Mais bon, là, on se fait plaisir. Soyons strict zéro. Ouais, ça me perd. Vous voulez que je vous prenne des armes ou pas là ? À l'armerie ? Ouais, les gars. Armez-vous. Vas-y, venez, je vais tous vous équiper. Moi, je veux une arme blanche. Comme ça, je suis pas Cramax.
t'ai déjà donné une batte. Comment, c'est comment ça marche déjà ça là? Le 1-3 là, je m'entraînais sur des PNJ là, je vais essayer de l'affûter ma batte. Comme dans Walking Dead là, le gars avec la batte. La molette? Non, ça marche pas. Negan. Comment on défile le muscle là pour la batte? Pour la choper? J'avais pensé à votre muscle table et ensuite la molette. Allez-y, venez devant moi, je vais vous donner ça. Ouais, bien vu ça. Ça va me rappeler une série ça. On va s'éclater, les gars. Bon, je vous équipe tous de guns, hein. Glock 17. Si je pourrais. Si je peux la fourrer dans une Schnexer, je dirais pas non. Attends, je te donne un chargeur aussi. Ouais, merci. Schnexer! Oh non! Schnexer! Schnexer! Oh non! Je voulais le chargeur, j'arrive. Oula, je fais une. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça manque de glucides? Eh ouais, putain. Vas-y, on le recharger, oh putain. Oh, désolé, désolé. Pensez pas à recharger quand vous êtes à côté de quelqu'un. Ah ouais, putain, désolé. Ah. Je vais chercher un kit s'il faut. Ouais, les GTA, je pense aussi, ouais, désolé. Désolé pour la faute. Trop cool. Bon. On peut s'entraîner sur le centre de tir ou pas? Ouais, y'a pas de munitions quoi. Hop, halte de là, garderie. Bien vu. Oh les mains. Allez, on va circuler. Oh ça va, là c'est... Là ils sont RP... Mais c'est ça en fait que vous voulez, moi c'est ça que je veux. Alors peut-être que pour vous, ça vous semble... futile, c'est... mais pour moi c'est ça le vrai RP, c'est que voilà, y'a pas de limite, tu fais ce que tu veux. Stand de tir à la lampe torche. Là on est dans le vrai RP là. Putain, si je pouvais avoir un vrai serveur, putain... Super. J'ai envie de faire un tournage, attends, tu sais quoi? Attends, je sais, j'entends, je vais organiser une scène, je vais faire une scène. Oh les gars, je viens d'avoir une idée là pour foutre ça dans sur les réseaux sociaux pour qu'on ait un peu plus d'impact. On va faire un court métrage. Okay. Donc il nous faudra, bah, vu qu'il n'y a pas de caméra en ville, on va se servir de nos téléphones, ça va être un court métrage amateur, on mettra ça sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez des notions de comédie, monsieur le Bourge? Oh, bien entendu, monsieur. D'accord, très bien. C'est la grande comédie française. Donc on va faire... vous avez vos téléphones portables? Sortez-les pour voir. Essayons. Ah oui, c'est bon, ça marche. Bon, on va mettre le mode selfie, au pire tu te mettras comme ça, là tu nous verras bien comme ça. Bah ça va. Ouais, ou en facial, ouais, nickel, comme ça. Tu nous filmes, ça va, tu nous vois? Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On jouerait... on simulerait, vu que... On est vu que, comment dire, nos figurants de tout à l'heure... Vous voulez me violer, monsieur, c'est ça? Non, ils sont tous morts. Tu joueras la personne... comment dire? Qui veut forcer le barrage. Vous en faites pas, on va pas vous faire de mal. Et on jouera cette scène-là, donc on vous dira quoi dire, ok? D'accord. À vos ordres, chef. Sinon on peut tourner un porno amateur, mais le problème c'est que ça manque de schneck. Oups, pardon, j'ai dérapé. Bon allez, on va aller en ville. Si on peut avoir d'autres figurants, ça peut être sympa. Je me posais la question, où on pourrait tourner cette scène? Le gang des Pères Noël. Attention, soyez sûr qu'ils vivent, ça peut arriver en étoile, à gauche, droite. Checkez bien. On va tourner ça au commissariat, je pense que c'est l'endroit là où il y a un accès libre. Il y a d'autres bâtiments là où on peut rentrer pour faire des courts-métrages.
J'aimerais bien tourner une scène de Bukaki sur le bourge, c'est vrai qu'il m'excite pas mal. Allez, let's go. Non, c'était vrai que je le tentais comme ça. Au pire, on va dans le commissariat. Commissariat, s'il vous plaît. Je vais faire juste cette scène, les mecs. Qu'on cesse de dispo. Je fais cette scène, après je décroche sur un serveur US ou un autre serveur FR s'il y en a un. Ok. Après on peut tourner un vrai un film X si vous voulez. Hein. Ah voilà, oh, c'est bon, les a repérés, on les a retrouvés. C'est bon, les a repérés. Avance, 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 avance. Putain, il est con. Attends, on va être spot là, les mecs. Oh putain. Monsieur l'agent ? Ouais. Rien de soucis, monsieur l'agent. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, vous allez bien ? Putain, mais là c'est HRP, il a eu une mort RP, pourquoi il... Monsieur l'agent, essayez de muscler. Muscle ton jeu au niveau de ta voix, monsieur l'agent, on n'entend rien. Oui, je vais faire quelque chose pour... Vous avez quelque chose à me faire ? Go enculer le mec devant le comico à la veste noire et blanche là. Ouais, j'avoue, ouais. Attends, je suis en train de parler au flic, attends deux secondes. Ouais, vous pouvez circuler. Pardon ? Ah, tu veux qu'on bute maintenant ? Vous pouvez circuler. Et envoie des... On va circuler, on circule. Oh là là, c'est incroyable le manque de charisme. Alors, vous savez pas parler à un citoyen, les gars. Merci, Wallon, merci Ziskid. Parler à un citoyen à partir du moment où on demande à moi de circuler, monsieur. J'ai pas vraiment envie de parler. Oula, oula, bah faites votre devoir là, il est en train de se passer des choses là. Travaillez, bon sang. Regarde-moi ce bouffe, regarde-moi ce bolos. Bien joué, les stalkers. Regarde-moi. Putain. Je crois qu'on a un code brèche activé là. Oula. Un code brèche, les gars, tirez à vue, tirez à vue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attends, je fais genre, je suis l'ami avec le modo. Bon, va falloir le réanimer, les gars, appeler les secours. C'est le seul commissaire qu'on ait dans cette ville. Ça serait con qu'il clamse. Il y a une notion de bouche à bouche ? Ouais, il me semble qu'il y a une puits de cadavre devant le commissariat. Ouais, mais bon, plus important, la priorité, c'est le commissaire. Même si c'est un fragile, c'est une victime. Oh, moi je trouve bien comme ça. Ils ont rien à foutre. Il a un speeda quoi. Non mais sérieusement, ils ont rien à foutre quoi, bordel quoi. Halte là, garderie! Reste pas ici, Ray, tu vas te manger une voiture. Bon, allô au chaud. Rentrons à l'intérieur. Ouais, ouais, de toute façon, on va se faire attaquer, je pense. On va vous attaquer, mais. Tu parles à qui, fils de pute, là? Tu parles à qui, là? Pour l'instant, t'es étalé au sol, connard. Donc tu fermes ouais, ta gueule. Ouais, mais je me repose. Je me repose, toi. Allez, tiens, regarde. Tu vas te reposer avec les boules. Mes boules dans ta non, bouche. Non, non, ça va, ça va. Non, non, ça va, ça va. Les boules de Noël, là. Regarde, je rigolais, je rigolais. Putain, HRP. Putain, c'est ouf. Y'a des mecs qui veulent vous tuer. Je vais le tarter, je vais le tarter. C'est pas possible, je vais le tarter. Si vous voulez, je peux vous aider. Attends, qu'est-ce qu'il veut ?
Attends, viens collègue, mets-lui une balle encore parce que je crois qu'il a rien compris. Tu vas aider personne, connard. Putain, t'es un cadavre. T'es un putain de cadavre, compris? Tu fermes ta gueule maintenant. Voilà, c'est bon, il la ferme. Petit bagnos d'enculé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, il a les pleins pouvoirs, ce fils de... Nice, le bourge, les gars, applaudissez le bourge! Voilà, c'est ça, quoi, c'est ça, voilà! Défonce-le, ce connard! Oh, hey, mollo! Mollo, s'il te plaît, là! Mais c'est quoi, ça, pourquoi il a les pleins pouvoirs? Oh, on se casse. C'est comme ça, et c'est comme ça que les gilets jaunes ont basculé dans la criminalité, le sexe et la coke. Bon allez, je décroche. On décroche ? Bon, on décroche. On a fini ce qu'on avait à faire. Bon bah finalement j'ai terminé. Finalement j'ai bien Gérax.